Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte de comment fou monter Barou. On est en live, vous le voyez, il y a le chat, la télé, et ben oui, ils sont chauds bouillants. En même temps, c'est normal, il y a Barou qui est sorti, le roi du terrain. Ils sont chauds, ils sont chauds. Déjà, est-ce que vous avez drop dans le chat? C'est la bonne question, est-ce que vous avez drop dans le chat? Vous avez drop? Tant mieux. Du coup, on va partir sur une petite amélioration. Pour la team, les amis, pour la team, en support, en entraînement, il vous faudra, bien sûr, vous avez, si vous n'avez pas Nico, vous pouvez prendre Isagi en support, level 100 de préférence, suivi de Bashira, Gagamaru, Kunigami et Nagi. Ok? Là, j'ai déjà proc 3 cartes sur 3 tours, 3 cartes gold sur 3 tours, dont 2 passifs blancs, ok. Du coup, des passifs plus ou moins normaux, ok. Let's go. Et du coup, là, on part en pause parce que je suis en good, en numéro normal, on va dire. Et pour proc la suite, c'est pas ouf. Let's go, let's go. On est à notre premier combat et comme vous l'avez vu, j'ai quand même de bonnes stats pour la plupart. Polyvalence et tir 1250, puissance, enfin power puissance 1045. Ce sont les trois principaux domaines où Barou est bon. Et il faudra généralement augmenter ça. Si vous avez la possibilité, vous pouvez également augmenter l'endurance, mais c'est vraiment, vraiment dernier point. Je suis à 24 puissance. Là, en vrai, j'ai bien commencé, mais 20k, c'est pas ouf. Ça, je dis que la RNG est tellement problématique dans le jeu. Question, pourquoi les codes de transfert ne marchent pas? Sinon, j'aurais repris mon vieux compte. Alors là, très très bonne question. Moi, je n'ai pas transféré de compte. Même si j'ai fait une sauvegarde, j'ai préféré ne pas le faire parce que je sais qu'il y a des problèmes de transfert. Et du coup, voilà. Ok, j'ai tous les trucs en F. Nagi, allez, donne-moi un petit passif, Nagi. Let's go. Eh ben non, pas de passif. Let's go. Ok. Ah, c'est un petit bonus, ok, mais j'aurais aimé un petit passif. Ok, dans cette condition, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, le bleu, hein. Et un petit passif, let's go. Du coup, ça augmente la polyvalence et la puissance. Ça va dans le thème du perso. Et qui plus est, derrière, l'unité a débloqué un nouveau passif. Non, faut pas l'avoir seulement en SS. Ça, en fait, c'est bien de l'avoir en SS. Mais il ne faut pas que ça. Alors, pour Isagi. Ok, bon, là, peu importe. C'est juste des stats supplémentaires. Et on va augmenter. En fait, vous avez le choix. Dans tous les cas, ça reste la même. Quoi? C'est quoi ce bug? C'est quoi cette connerie? Enfin, bref, on continue. On est en extrême. Il faudra qu'on monte un peu l'intelligence, la sagesse plutôt. En vrai, j'ai le choix. On va aller en tir. x2. Je le passe en C. Et je reste en extrême. On sait si Barou c'est un goat dans le jeu ou pas encore. Mais au vu de ce qu'il a, c'est un bon support. Et sa compétence P est très intéressante. Qui plus est, ses passifs skills qu'on voit... dans les par rapport au niveau, reste très intéressante. Perso, j'arrive pas à passer B+. J'ai comme team pour l'entraînement Nagi, Isagi, Bashira et le personnage free to play. Et comme support Ichigo, enfin ouais, du coup Kunigami 100 pour le pour up. Le Barou, toujours 16k. Je l'ai passé des conseils. Mais on va voir ça de suite. Là, je suis sur mon premier essai. C'est la première découverte. Et on verra ce que ça va donner, si j'ai un bon essai ou pas. Let's go pour le bleu, le rose, je veux dire. On passe en pause. Faut prioriser le skill. De préférence, le skill. Le skill, il est méga, méga important. C'est super stratégique.
Surtout quand le PVP va arriver. Vu que le PVP va surtout se baser sur du 3v3. Vraiment, les passifs ne sont pas à négliger, les gars. Ok. Bon, c'est un bonus. Tranquille, je suis bien. Là, j'arrive au deuxième match, normalement. Let's go. Voilà, c'est 7600. 29 000. Ouah, c'est moyen de ouf. Ce run-là, les gars, il y a moins que je le recommence. Hein. C'est un essai. Hein. C'est un essai. Il a pas disparu, frérot. On le voit toujours, le chat. Hein. C'est juste les messages partent rapidement. Pas obligatoirement. Tu peux avoir 36K. Tu peux avoir 36K ou 33K, c'est bien. Mais genre, si t'as 39K, c'est très très bien. Mais le truc, c'est que tu peux directement enchaîner un combat derrière. Si t'enchaînes un combat derrière, enfin, le match du... Je dis pas de bêtises. C'est le match de 25K. Que t'auras après. Et si t'as le match de 25K, ce qui se passera, c'est que t'auras pas assez de puissance pour la suite. Bon, j'ai pas eu de bonus. Allez, un passif normalement. Et non, pas de passif, c'est le passage de la journée. Let's go. Et un passif, let's go. Ouais, ça peut varier exactement, Adito. Je crois que là, ça me donne un truc spécial, faut que je vérifie. Et non, ça me donne pas de truc spécial, on va partir sur du rose. On va partir sur du rose. Un bon bonus là, on prend. Ça fait plaisir. Après, on va aller en pause. Allez, un petit passif. Et non, pas de passif. Les passifs... arrive qu'avec certaines unités. S'ils arrivent avec des unités comme Bashira, que vous êtes vraiment très très chanceux, les gars. Oh, ok, là c'est bon. Là on prend, ça on prend. Let's go. Ouais, c'est pour ça que c'est. En fait, tout varie en fait. Vraiment, tout varie pour lui. On prend le bleu cette fois-ci parce que ça améliore la vitesse, le dribble, la sagesse, le tir. Let's go. Et on a notre premier domaine en A. Mais le reste, ça reste très très négatif. Hein. On est à du 11 900, 43 000. Là, j'aurais dû être à 50K. Mais ça se rattrape. Ça peut toujours se rattraper. Let's go. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je répète, la RNG elle est tellement. Elle est tellement random, ça casse la tête en fait. Enfin, pas la RNG, mais les stats et les passifs sont tellement random que c'est dommage. C'est dommage qu'ils règlent pas ce petit système. Enfin, qu'ils ne le règlent pas dessus. On sait que ça sera. Régler tôt ou tard parce que c'est un truc à up obligatoirement au vu de la difficulté des procs. Let's go, nice. Là on part en pause, on n'a pas de bonus, on n'a pas de 4 gold et en plus on n'a aucune... On est en mauvais état. Enfin on est en bon état du coup, faut aller en pause quoi. Et oh, pas mal là. Ouh, là on prend. Vous voyez, là j'ai rattrapé le bail. Encore, pas mal. 250, nickel. À 37 points près, j'aurais été dans les bonnes stats quoi. Dommage.
Du coup, là, pour ce dialogue-là avec Kunigami qui est sur le terrain, de préférence, faut partir sur rouge, ok? Parce que ça va donner des stats en tir. Là, je crois que j'ai un match. Let's go. 14 800. Ok, je me suis plus ou moins rattrapé. Là, je serais passé en S juste avant, ça aurait été meilleur. Ouais, j'ai plus ou moins rattrapé. Mais de préférence ici, il faut que vous soyez entre 62K et 65K. Let's go. Deuxième match, mais c'est très très rare, hein. C'est très rare d'arriver à 65K deuxième match, hein. Je dis, mais 60K ou 62K, c'est bien, hein. La RNG, genre, si t'as pas des unités comme Nico et tout, c'est Nico, Isagi. Déjà, Nico, Isagi, Bashira, ça t'augmente de ouf les stats. Moi, là, j'ai que Isagi et Bashira. Nico, je l'aurais dans la team. Ça aurait été incroyable. Oh, pas mal. Pas mal les stats là. Bonus? Non, pas bonus. Match, 16K. Ah, oh, c'est moyen. Mais je suis à 62K pour 30, le 37. Et c'est pas mal. Si au 45K, je suis à 72K, c'est correct. Ça va quoi, Koji? En fait, tout dépend du bonus, Koji. Tout dépend du bonus. Par exemple, si t'as un bon bonus après ton troisième match, ben, ça peut rattraper. Ouais, j'ai vu ton message quand t'as pop tout à l'heure sur le Discord. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud. Waouh, ah, il me pisse dessus là. Ah, il me pisse dessus. Hein. Ah oui. Ok, bon. Waouh, ah, c'est le pire truc qui puisse m'arriver, ça. Part sur du bleu. Je crois que j'avais pris bleu tout à l'heure. Normalement, ça me donne un passif. Et non. Mais ça me donne des stats en tir. C'est pas mal. 17K pour le dernier. Ouais. Tu me conseilles quel pack? Le jeu, j'ai déjà pris le ticket en or. Alors, pour les packs, il y en a qui sont pas mal entre 3 € et 20 €. Et du coup, tu as. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Pour ce premier test, on est à 13 minutes de vidéo. Ok, 3-0, ok. Combien le pack de tickets garanti? Écoute, je crois. J'ai mis 9K pour l'avoir. 3 € ouais, 3,50 €. Let's go. Voilà, je vous annonce que le bonus de fin sera éclaté. 4000, 2400. Là, par exemple, j'aurais été sur du A. Ça aurait rattrapé. Là, D+. Et là, C, ça aurait été bien. Mais malheureusement, du B+. Il y en a 18 000 pour le premier essai, c'est très très bien. Pour le premier essai, n'oublions pas qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs teams qui seront plus appropriés pour Bao. Mais à mon échelle, pour le moment, le meilleur choix, enfin là, c'est les meilleurs stats que j'ai pu avoir. Ça va ou quoi, Babouche?